Depuis plusieurs années, les échouages de dauphins en liaison avec les activités de pêche sont en augmentation dans le golfe de Gascogne. Afin de préserver les cétacés, le gouvernement a mis en place un plan de lutte. Pour nous, ça a toujours existé. Malheureusement, on ne fait pas esprit de leur courir. après. C'est eux qui viennent nous voir. Alors on ne sait pas s'ils se prennent au filage, s'ils se prennent au virage du filet, on ne sait pas s'ils sont, sont déjà morts et puis avec le courant, ils se prennent dans les filets. Tout ça, on ne sait pas. C'est d'où les caméras pour essayer de comprendre avec les observateurs pourquoi on fait des captures accidentelles Mais il ne faut pas croire, hein, je le dis bien, hein, les caméras à bord sont embarquées, c'est sûr, on va voir évoluer la, la pêche, c'est quand même un, un grand pas en avant, mais ça n'empêchera pas les captures accidentelles. Hein. On essaiera de savoir pourquoi, vous savez. Grâce à une ou deux caméras installées sur les bateaux, ce projet, mené par l'Office français de la biodiversité, va permettre d'améliorer les connaissances sur ces captures accidentelles. C'est vraiment scientifique, ce n'est pas un contrôle. Et euh, c'est en complément d'autres actions qui sont mises en place, et notamment euh, les observations embarquées à bord. Il euh, y a aussi une application qui s'appelle pêche, qui permet euh, aux professionnels d'être acteurs dans la science participative, euh, et donc d'observer, de, de déclarer leurs observations et leurs captures accidentelles aussi. Tout ça, c'est vraiment pour mieux comprendre euh, la présence de dauphins sur zone. Et aussi les captures accidentelles. Notamment euh, sur les filets donc c'est euh, la pose de filets à l'eau euh, au cours de la marée qui est relevée après plusieurs heures. Et l'idée c'est de euh, mieux quantifier d'une part euh, les, les captures qu'il pourrait y avoir et aussi d'essayer de comprendre les circonstances de ces captures. On savoir parce qu'on parle d'un filet mais il y a plein de filets différents en fonction de si on va euh, cibler la sole, cibler le bar, cibler, euh, cibler le merlu et donc c'est de, de mieux comprendre le phénomène. Pour l'heure, à Cabreton, seul le joker est équipé, mais d'autres pêcheurs sont volontaires. À terme, une vingtaine de bateaux sur tout le golfe de Gascogne vont prendre part à ce projet.